on est au large du Cap Corse, un endroit où il passe à peu près de l'ordre de 20 000 bateaux par an, ici, à proximité immédiate de ce merveilleux territoire, de ce parc national marin aussi. Et donc, il faut le protéger. Donc, pour le protéger, on l'a organisé en faisant des chenals d'accès qui fait que les bateaux se rencontrent et sont surveillés par nos sémaphores. Et donc, s'il y avait un incident, et on l'a connu en octobre 2018 avec l'Ulysse Virginia, il faut être capable de réagir au plus vite. On va réagir au plus vite comment ? Bon, parce qu'on va être alerté par les sémaphores qui surveillent la navigation. Et à ce moment-là, on va mettre tous les moyens qu'on peut. Et on a un accord qui s'appelle l'accord Ramoge, qui est un accord entre l'Italie, la principauté de Monaco et la France, qui fait que de manière automatique, en cas d'incident nautique, on va s'aider ensemble pour mettre en moyen, tous les moyens en œuvre pour résoudre cette crise. Les moyens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont pendant l'exercice ? C'est 14 bateaux qui sont là, c'est à peu près 4 hélicoptères, c'est plusieurs avions qui sont passés, 4 drones qui sont embarqués sur les différents bateaux pour pouvoir poursuivre cette nappe de pétrole. Alors là, qu'est-ce qu'on a simulé comme exercice ? En fin de compte, pour entraîner ces équipages, pour entraîner les états-majors qui font travailler tout le monde, toutes les administrations, on a dit un bateau, effectivement, qu'on a récupéré, qui joue l'exercice, a joué comme s'il avait un problème technique en passant dans le chenal d'accès. À ce moment-là, il a dit qu'il avait un début de fuite. Et nous, on a déclenché le plan. Donc, c'était pour un exercice de rapidité et de voir si tout le monde était capable de venir dans les temps et puis ensuite de travailler ensemble de manière coordonnée. Vous voyez, lorsque vous voyez tous les moyens qui sont avec vous aujourd'hui, les remorqueurs, différentes tailles, des patrouilleurs, ben c'est pas si évident que ça de les faire travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de trois pays différents, donc avec trois règles, trois façons de travailler différentes. Et puis aussi, nous, en français, c'est aussi une chaîne de solidarité entre toutes les administrations. Donc vous avez de la marine nationale, parce que nous sommes en mer, mais vous avez aussi de la gendarmerie, vous avez des affaires maritimes, vous avez les gens des douanes, vous avez également la SNSM et puis également des gens du civil. Vous avez des pêcheurs qui viennent de Bastia, vous avez un remorqueur qui vient du port de Bastia. Et donc on travaille tous ensemble et on travaille ensemble aussi avec la préfecture de Haute-Corse. Pourquoi ? Parce qu'une nappe de pétrole, si jamais on n'arrivait pas à la circonscrire pendant le temps de notre intervention, pourrait très bien avec le courant ou le vent, suivant les conditions du moment, être déportée sur la côte. Et donc il faut qu'on apprenne à travailler avec la préfecture de Haute-Corse pour être capable qu'elle puisse prendre le relais au moment où ces nappes vont arriver sur cette si belle côte. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le projet et pourquoi on est là aujourd'hui ? L'accord Ramoge a été créé en 1976 à l'initiative du prince Régné III de Monaco pour concrétiser justement la volonté politique de trois États, la France, l'Italie et la Principauté, pour agir communément dans la préservation de la Méditerranée, cet espace qui nous est partagé. Cet accord Ramoge repose sur deux piliers essentiels. Le premier sur la préservation de la biodiversité marine et l'amélioration de la connaissance sur le milieu marin. Et un autre volet, plus opérationnel, relatif justement à la prévention et à la réponse de la lutte contre la pollution marine.